Et voilà. Ça, c'est Roșia Montană. Da, Valea Roșia Montană. În față vedem muntele Cârnic. Este un munte care păstrează urmele mineritului din cele mai vechi timpuri. În fața on a la montagne Cârnic, qui garde les traces des travaux miniers depuis l'époque romaine au moins. La dreapta putem vedea cariera cetate, este un munte care era la carrière cetate, qui a été exploité pendant l'époque communiste. Il était presque aussi haut que le mont Cârnic on va en face. Ceea ce vedeți în față, muntele Cârnic și muntele Cetate, tout ça va être remplacé par deux trous immenses de 300 mètres de profondeur. Fundul altei cariere ar fi la vreo 4-500 de metri. Pensez que si on regardait maintenant en bas, le fond d'une autre carrière serait à quelques 400-500 mètres en dessous de nous. Donc ici, sous nos pieds. Sous nos pieds. Iar în spatele muntelui Cârnic vom vedea iazul de decantare. Si on regarde le mont Cârnic, derrière lui, il y aura le bassin de décantation d'Estéril, Cianuret, et si on se place du côté de la ville d'Abrud par où on est passé, on ne verrait plus que le barrage de 185 mètres de hauteur. Quelle surface aurait ce bassin de décantation? Acest iaz de decantare va avea o lungime de 4 km, o lățime de 2 km. 4 km de longueur, 2 km de largeur, et pour la hauteur, ce sera la hauteur du barrage. Mais c'est une zone qui est traversée de failles dont la compagnie n'a jamais tenu compte. C'est une zone où il y a une eau courante, une petite rivière de montagne, et tous ces aspects transformeront le bassin en une bombe écologique qui, tôt ou tard, va exploser et va causer des problèmes immenses tout près d'une ville de 6000 habitants. Donc, pratiquement, Roșia Montană disparaîtrait. Oui, da.